à tous et bienvenue sur votre chaîne Yami Cuisine. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer cette recette de couscouma en wrap. Les couscouma, ce sont des galettes comoriennes. Vous trouverez la recette ou les recettes. Je vous laisserai la playlist des couscouma juste en bas de cette vidéo-là. Et je peux vous dire que vous avez un large choix. Ici, j'ai utilisé les couscouma feuilletés. Tout d'abord, je vous remercie pour vos likes et vos commentaires qui font tellement de bien. Donc, commençons la préparation. Pour cette recette, il vous faudra 1 kg d'escalope de poulet, 2. Je vais diviser chaque escalope en deux, comme ceci. Pour ensuite la découper en lanières. Après avoir fini de les découper, je vais les laver et les égoutter avant de les mariner. Et pour la marinade, il vous faudra du gingembre en poudre ou du gingembre frais, de la coriandre en poudre, de la cannelle, du piment en poudre, d'ail râpé, de yaourt et de sel. Bien mélanger et laisser mariner pendant au moins une à deux heures, et vous aurez du poulet déjà attendri. Dans un wok ou dans une poêle, faites chauffer du beurre et de l'huile d'olive. Ensuite, y faire dorer les morceaux de poulet. N'oubliez pas de regarder tous les détails dans la description, juste en dessous de la vidéo. Il faut remuer le poulet constamment pour qu'il soit bien doré uniformément. Le poulet est déjà prêt, il est bien doré. Maintenant, passons à la prochaine étape.
La prochaine étape, c'est la préparation de la sauce pour les wraps. Et c'est une sauce, je vais dire, exclusive de Yummy Cuisine. Mais elle est très bonne. Il vous faudra un œuf, de la moutarde en poudre, de la poudre de curry, du sel, de l'huile. Et on va monter tout ça. On va battre bien pour obtenir un mélange mousseux et épais. Ensuite, j'ajoute l'ail râpé et le vinaigre. Je bats jusqu'à obtenir un mélange bien mousseux et épais. Comme une vinaigrette, quoi. Mais ça s'approche plus à la mayonnaise, mais c'est pas de la mayonnaise. C'est une sauce épicée. Et voici le poulet. Maintenant, on va le découper en tout petits morceaux. Il est très beau, ce poulet. Et ça sent très bon par ici. Le poulet est déjà prêt, maintenant on va monter nos wraps. Et voici les couscous à feuilleter. Passez juste une cuillère à soupe de sauce sur la surface du couscous ou de la galette. Ensuite, ajoutez le poulet, la quantité que vous voulez, des carottes râpées et arrosées de sauce. Et voilà, vous avez votre wrap. Il ne reste plus qu'à les déguster. Bon appétit! Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour des nouvelles recettes sur votre chaîne Yummy Cuisine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et n'oubliez surtout pas de faire ce qui vous plaît et ce qui vous rend heureux. Ciao, ciao, bisous!